Lors de la négociation du traité de Versailles, qui met fin à la Première Guerre mondiale, des réformateurs souhaitent améliorer les conditions de travail à l'échelle internationale. Les sacrifices de la guerre ont aussi ravivé les revendications, nées au XIXe siècle, des organisations ouvrières. S'y ajoute le souci occidental de prévenir une contagion des révolutions bolcheviques, spartakistes en Allemagne et hongroises. Le traité de Versailles marque ainsi la naissance de l'Organisation internationale du travail, ou OIT, le 28 juin 1919. Dès la fin de 1919, 42 États ont rejoint la nouvelle organisation. Pourtant, Clemenceau avait souhaité limiter l'adhésion aux seuls vainqueurs. Les États membres partagent l'idée qu'une justice sociale est indispensable pour instaurer une paix universelle et durable. L'élaboration de recommandations et de normes est très originale. Tripartite, elle associe les représentants des États membres, du patronat et des syndicats de travailleurs. Dès 1919, l'OIT décide notamment de la journée de travail de 8 heures, sous l'impulsion de la France. La constitution de l'OIT, Agence de la Société des Nations, est adoptée à l'unanimité et intégrée au traité de Versailles. Elle en constitue aujourd'hui la seule partie toujours en vigueur. L'OIT comprend à ce jour l'ensemble des États membres de l'ONU.